Bonjour, je suis Valérie Laforêt, je suis directrice de recherche à l'École des mines de Saint-Étienne. Je suis responsable du département GTI de l'environnement pour les organisations et je suis aussi responsable de l'unité pédagogique écologie industrielle et territoriale depuis 2015. Pour cette activité pédagogique présentée aujourd'hui, je suis accompagnée de 4 enseignants-chercheurs. Depuis plus de 30 ans, l'Institut Henri Fayol s'attache à innover dans ses activités pédagogiques. Et du fait que l'écologie industrielle et territoriale est une approche pluridisciplinaire, nous avons souhaité, outre les aspects théoriques, pouvoir mettre les élèves en situation afin de leur faire toucher du doigt les enjeux réels de l'écologie industrielle et territoriale qui demandent que soient mis en œuvre des jeux d'acteurs. Le public concerné par cette activité sont les ingénieurs civils des mines de deuxième et troisième année et deux parcours de master en environnement. Les 33 heures de cette activité sont découpées en cours TD, visites et conférences et sont complétées par un MOOC sur la négociation territoriale et un jeu de rôle. Le jeu de rôle a pour objectif de mettre les étudiants en situation de gestion des déchets en milieu insulaire sur une île appelée Tamulaviva. Ainsi, chaque étudiant joue un rôle clé de la gestion territoriale et sont amenés à être en situation de table de négociation afin d'aboutir à une solution négociée. À la fin de chaque session de jeu, nous prenons en considération les retours des étudiants afin de faire évoluer le jeu et de le rendre plus fluide et plus pertinent en termes d'apprentissage. Ce jeu pourra être développé sous une forme plus légère afin d'être utilisé dans le cadre de sensibilisation à des professionnels, par exemple dans le cadre de formation tout au long de la vie.